La pièce d'orchestre sur laquelle je travaille est en fait une commande du Suntory Hall au Japon, mais c'était une pièce pour orchestre, éventuellement un concerto. Et j'avais travaillé avant avec Mari Kimura, qui est une violoniste très remarquable et qui m'avait suggéré de trouver là l'occasion pour un concerto. J'ai déjà travaillé avec cette pièce qui s'appelle Variant, parce que c'est une pièce dans laquelle, à une seule partie du soliste, on peut associer plusieurs versions, puisque le son du soliste est traité en direct. Alors, je peux faire entendre quelques extraits de cette pièce, parce que il y a différents aspects qui apparaissent dans cette pièce que je voudrais réutiliser. En particulier, dès le début, on va entendre la cinquième note qu'on va entendre. En fait, c'est une note très grave, plus grave que la tessiture la plus grave, la note la plus grave du violon, jouée normalement. Et c'est une technique que Mari Kimura a développée. Un peu plus loin, on va entendre l'usage de quarts de ton, qui sont ni un glissando, un glissement continu, ni une gamme normale. Donc là, il y a un usage de l'écriture microtonale, plus petit que les demi-tons normaux, qui sera développé par le violon en opposition avec l'orchestre, parce que c'est une technique plus délicate. Je n'ai jamais fait une pièce orchestrale qui soit véritablement spectrale, dans la mesure où certaines pièces surtout Grisey ou Murail, les pièces du four orchestral sont, je trouve, très belles, mais ne sont pas véritablement des pièces spectrales. Mais il y a plusieurs aspects dans des pièces de Grisey ou Murail qui sont des pièces où le timbre est composé et synthétisé, comme dans d'autres pièces de Ligeti ou de Penderecki ou de Xenakis. Par contre, de tirer parti de deux choses, enfin, un peu différentes. L'une, c'est le mouvement dans l'espace. Alors évidemment, le mouvement dans l'espace, ça peut se faire par une espèce de fondu enchaîné. Et je n'ai pas entendu de pièce qui est vraiment tirée parti de cette chose-là, me semble-t-il. Une autre manière d'envisager l'espace, et c'est une chose que j'ai expérimentée avec l'ordinateur, mais jamais avec, ou pour ainsi dire pas avec des instrumentistes ou avec un orchestre, c'est de prendre par exemple un accord, comme dans Farben, les couleurs de Schoenberg, et d'avoir une alternance non pas entre deux timbres, mais entre deux dispositions spatiales. Par exemple, vous avez un accord où mettons, les trompettes font la note supérieure et vous répétez le même accord, mais avec une autre distribution des instrumentistes qui font la même note. On peut dire que l'espace, finalement, est parti du timbre, mais c'est une modalité très particulière et qui n'est pas d'habitude prise en considération. En réalité, je ne suis pas du tout déterminé sur ni la forme, ni le matériau. Mais bon, de toute façon, je vais avoir des notes polaires, des notes qui sont des points de repère. Qui sont souvent accrochés à des registres qui sont à certaines hauteurs, des notes réservées, ça c'est une chose que faisaient souvent Varèse et Jolivet, c'est-à-dire avoir un certain nombre de notes dans le total chromatique et certaines qui étaient réservées et qui donc au moment de leur arrivée faisaient, avaient une présence, une nouveauté particulière. Alors je souhaite utiliser aussi une particularité de la violoniste Mari Kimura, qui doit jouer la première de cette pièce-là, c'est qu'elle elle est capable, avec une très grande précision de son archet, de faire des notes une octave plus bas que la tessiture normale du grave du violon. Alors elle peut faire les notes jusque... une nuance fortée, plutôt âpre, mais donc ça a un côté très, très frappant. Et donc ça c'est une espèce de contrainte que j'introduis à cause de cette circonstance particulière. Et évidemment, alors ça sera amplifié par l'orchestre. Alors, là par exemple, c'est des notes graves qui doivent être faites soit au timbal, soit une espèce d'imitation des timbales, c'est la grosse caisse jouant avec les contrebasses pizzicato, et ça donne une espèce de variation de la timbale qui est très curieuse. Et donc je commence dans le grave comme ça. Mais évidemment oui, l'accord, la présence ensemble des composantes risquent de tout changer en fonction des battements, d'une espèce de fusion, au contraire de possibilité de distinguer les sources. Et ça, c'est encore quelque chose qui, dans l'orchestre, est très, très précieux, puisqu'on a tout d'un coup la possibilité d'immerger un motif, ou au contraire de le faire apparaître. Le geste est très important et je me souviens avoir eu cette image de la chasse dans le domaine des arts plastiques, un professeur de dessin qui dit il faut retrouver votre coup d'œil de chasseur, tout d'un coup avoir cette espèce de quête du geste instinctif et retrouver ça. Évidemment, ça passe par les instruments et les processus gestuels, mais qui donnent des espèces d'archétypes, mais de choses aussi qui sont tout d'un coup, qui ont une virulence qui éveille l'attention, la sensorialité à l'extrême. Le mouvement, le changement, et certains mouvements, certains changements, évidemment, c'est là où l'univers de la perception n'est pas neutre du tout. Du fond de cette grotte, on entend la mer, évidemment, à travers cette espèce de canal, et d'ailleurs, on a aussi des sons, les galets, et bon, j'ai enregistré ici pour faire ensuite une espèce de passacaille de galets en traitant ces sons de manière un peu comme un motif récurrent, mais aussi sortant de cette grotte en prenant le son de la mer. À ce moment-là, tout d'un coup, on a ce son venant de loin qui s'ouvre, qui se rapproche bien sûr, mais surtout qui s'ouvre comme si on ouvrait une fenêtre en grand sur la mer. On se rabasse à minuit. Putain, mais avec mon caramel, là, je suis... Je cherche toutes les occasions pour m'échapper quand ça n'est pas lancé, quoi. Je trouve ça difficile. Mais... ça dépend des phases. À la fin, c'est plus long. Mais ici, par exemple, au moment des grandes marées, il y a la pêche à la crevette, qui est un appel, ou bien des balades. Enfin, il y a des endroits superbes. Il y a le Ligeti qui est par ici, qui est un petit Morbihan, une petite mer intérieure qui se remplit et qui se vide. Mais quand j'ai, comme maintenant, quand j'ai une pièce à faire, c'est des curieuses vacances, parce que c'est une atmosphère évidemment de vacances, et puis c'est un endroit splendide, mais il y a une espèce d'obligation, mauvaise conscience, d'essayer d'avancer. Et c'est toujours une période très difficile au moment de la conception d'une œuvre, et cela d'autant plus que ça se fait plus abstraitement, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de manipulations pratiques, ou de la copie par exemple, ou des traitements sur ordinateur, c'est plus mécanique, ça se fait plus facilement, et la concentration, l'inspiration, on peut dire, c'est toujours un peu incertain et problématique. Je pense que c'est des moments, des réussites exceptionnelles qu'on ressent, qui font le prix de la vie. Et alors ça peut être dans l'ordre affectif, je pense que ça peut être, c'est beau, aussi dans l'ordre esthétique, sinon À quoi bon un progrès économique qui soit un plus grand profit global Je veux dire, il y a des moments, il y a des incandescences qui justifient beaucoup de choses, même si on admet que ça n'a pas de caractère indispensable. Moi, je ne vois pas... Je ne sais plus qui disait ça, mais quand même, il faut bien qu'on vive. Et quelqu'un qui répondait, je n'en vois pas la nécessité. Il faut quand même qu'il y ait une nécessité, qu'il y ait des choses qui s'imposent, qui transcendent un peu les... Enfin, c'est pour ça que je pense qu'on s'accroche à tous ces efforts pour essayer d'aller au-delà. On ne sait pas au-delà de quoi, mais enfin d'atteindre... de s'efforcer en tout cas d'atteindre des choses qui sont un peu au-delà de la routine. C'est pour ça, je pense que les exigences, il ne s'agit pas seulement de faire de l'animation musicale. Je pense que quand on est exigeant avec quelqu'un qui apprend un instrument, c'est beaucoup plus gratifiant pour lui d'arriver à s'efforcer de maîtriser certaines exigences plutôt que de faire des choses faciles et banales, finalement. Enfin, ça, c'est... Je sais pas. Tout le monde a envie d'être artisan. Je crois que c'est... Et je crois que c'est un besoin très profond qui est probablement très ancré chez nous. Et que ceux d'entre nous qui ont la chance justement de travailler d'une manière artisanale, furieuse ou pas, mais en tout cas, et avec l'art, on peut toujours se dire qu'il y a une espèce d'artisanat métaphysique qui est pas loin, quoi, qui est en tout cas à portée. On peut toujours... envisager d'avoir un contact avec des choses qui nous dépassent par cette exigence plutôt que par la facilité. J'avance lentement en ce moment pour des raisons multiples. D'abord, j'ai eu plusieurs voyages à l'étranger, en Finlande, en Argentine et aux États-Unis, en liaison avec la musique, mais pas vraiment avec cette création. Bien qu'aux États-Unis, j'ai pu voir Mari Kimura, qui est la violoniste qui m'a suggéré de faire plutôt qu'une pièce pour orchestre seulement, mais une espèce de concerto pour violon-orchestre, une pièce avec violon obligé en tout cas. Et donc j'ai pu effectivement travailler un peu avec elle sur certains sons particuliers qu'elle fait, mais malgré tout j'ai été très distrait et je suis dans une phase dans laquelle j'accumule un peu du matériau et ce matériau il vient comme il sort, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours du matériau qui se relie facilement à un plan, c'est-à-dire je travaille d'une façon très désordonnée, je ne dis pas que je fais toujours comme ça, hein. Il m'est arrivé de me mettre à une pièce et à la faire dans l'ordre qui est son ordre temporel, mais là je travaille plutôt hors temps, comme dirait Xenakis, c'est-à-dire que j'assemble des matériaux, mais je ne sais pas comment ils vont s'inscrire dans l'ordre temporel de la pièce finalement, parce que je cherche une forme d'équilibre, je cherche quelque chose qui ne soit pas complètement la forme habituelle du concerto en particulier. Je voudrais éviter cette espèce de schéma avec le premier mouvement, la cadence, le mouvement lent, et donc j'ai l'intention, l'ambition d'avoir des matériaux où j'utilise l'orchestre d'une manière qui ne soit pas uniquement habituelle, c'est-à-dire je n'aime pas parler de l'orchestre comme un synthétiseur parce que je trouve que c'est une réduction terrible et que finalement l'orchestre est une ressource magnifique avec des individus qui sont des solistes et des musiciens, mais en même temps il est vrai que c'est la plus extraordinaire ressource sonore quand on pense qu'on peut doser et tirer parti de toutes ces sources de sons et de musique. Mais donc je cherche à incorporer dans cette pièce des aspects spectraux, des aspects qui prolongent un peu des recherches sonores que je peux faire à l'ordinateur par exemple, mais qui quand même s'inscrivent dans une musique instrumentale, et je trouve que c'est dommage d'oublier l'orchestre, et j'ai du mal à ne pas penser à toutes les références passées. Il faut éviter peut-être sans doute d'avoir trop de référentiels, d'avoir trop de connotations, mais enfin, pour moi, c'est un peu se mutiler que de les éviter complètement. Des couleurs assez particulières. Des fois, c'est bleu beaucoup plus sombre quand il y a le Mistral. Récemment, je suis tombé sur ce mot de schème, qui explique schéma, et c'est aussi un mot qui se traduit en anglais, d'ailleurs schemes, mais qui a un sens philosophique originel. Je crois que Kant utilisait ça pour désigner des structures qui sont en somme intermédiaires entre la perception et le monde physique. Et donc pour moi, je ne suis pas sûr que je vais adopter ce titre-là, mais il me plaît assez parce qu'il correspond assez bien à une idée que j'ai sur ce contraste entre des moments où il y a une fusion et puis d'autres où il y a une distinction entre le soliste et l'orchestre, mais ça étant lié à la perception et l'écriture étant justement une manière de solliciter la perception d'un côté ou de l'autre, du côté de la fusion ou du côté de la séparation. Et, pardon... Oui. Oh non, il ne faut pas que je mette trop l'accent, mais je veux simplement dire que ça existe, quoi. Oui. Alors, en fait, c'est un schéma extrêmement cryptique, enfin peu lisible, mais il se réfère à, par exemple, des notations comme C1, et C1, ça mentionne, ça renvoie plutôt à une page d'esquisse qui, elle, est déjà un peu détaillée. Donc je sais exactement quel est le contenu musical, mais on ne peut pas le résumer, évidemment. Par exemple, C1, c'est une progression où il y a une espèce de récitatif du violon qui est accompagné par des harmonies très stationnaires au bois. Et un peu plus loin, qui est au bas de la première page, il y a référence à des harmonies. C'est le deuxième mouvement qui est plus statique. Et il y a des harmonies, mais là, il y a une espèce de balancement entre plusieurs harmonies, un peu à la façon d'un carillon. Et là, par exemple, j'ai différentes esquisses qui sont repérées par la lettre H, comme harmonie, H1 par exemple, qui est une page séparée sur laquelle on peut voir des successions d'accords qui sont supposés être appelés, et d'ailleurs sur lesquels s'imposent des rythmes qui sont rappelés au début de la page H1 et qui sont déjà annoncés par le début des contrebasses au tout début de la pièce. J'ai mis quelque part cadenza, mais ce n'est pas une cadence classique, mais je pense quand même avoir quelque chose comme une cadence de violon, mais j'avais pensé la mettre d'abord à la fin du premier mouvement, et justement, je pense maintenant la mettre au sein d'un passage harmonique, enfin, ou plus exactement, avant un passage harmonique qui est dans le second mouvement, parce que il y a des doubles cordes dans cette cadence qui sont jouées au violon, donc, et qui correspondent à des suggestions harmoniques très précises. Donc pour cette raison, en partie, et parce que ça me paraît aller mieux finalement dans la dynamique générale de l'ensemble, je vais sans doute la disposer là, mais ça c'est une décision tout à fait récente. J'avais déjà un schéma il y a quelques mois, mais il était différent, il était moins brouillon. Et il y a des passages pour lesquels je n'ai pas encore déterminé la localisation, c'est-à-dire il y a par exemple un passage qui se trouve sur la deuxième page en bas, qui fait référence à une idée de déplacement du son de l'orchestre à travers l'orchestre, en favorisant par exemple les cordes et puis les cuivres, et dans un certain ordre, d'avoir une espèce de mouvement spatial, mouvement de timbre, mouvement de brillance aussi. Et ça, je ne suis pas sûr pour l'instant. Je pense le mettre plutôt à la fin du deuxième mouvement, avant d'avoir un passage qui est une espèce de série de piliers avec un accord répété, mais je ne suis pas absolument sûr pour l'instant, donc je l'ai mis comme possibilité dans les trois mouvements, pour me rappeler de décider cette chose-là que je n'ai pas encore vraiment décidé. De même, j'ai mis au début du troisième mouvement un passage que j'ai appelé stochastique, qui est un passage où il y a une espèce de désorganisation de plus en plus rapide, mais qui... enfin, je ne sais pas si ce sera partie intégrante du troisième mouvement, ou ce sera une espèce de pont entre la fin du deuxième mouvement, qui est très ordonné, et le troisième mouvement, qui lui est plus frénétique. Alors, le troisième mouvement, il y a cette incertitude sur la présence de ce passage de mouvement, mais il y a surtout le fait de savoir s'il sera introduit par un pont stochastique ou s'il va démarrer immédiatement. Ce sera une espèce de perpétuum mobile qui va de quelque chose qui roule un peu sur place à une expansion, avant de démarrer. Enfin, les motifs mélodiques tournent un peu sur eux-mêmes avec des très petits pas, et même des pas microtonaux, c'est moins d'un demi-ton éventuellement que joue le violon. I had just started working in the audio research department of Bell Telephone Laboratories, and we were studying more efficient speech coding so that we could, well, send more channels across the Atlantic on the one cable that existed there. And this was very difficult to do by building new circuits, because it might take 3 or 4 years to finish a new circuit, a complicated circuit, and then usually it wouldn't work well. So I said if we could digitize speech, put it into a computer, then we could rapidly write a program to test a new idea for speech coding. And of course we had to also undigitize the speech and take it out to listen to it to see how good or bad the quality was of the speech. I think for the new music it rather opens the door. I mean, you have the past resources and you have these new resources, and you have the resource of combining both, and you have also the fact that just like electroacoustic music gave new ideas to the composers of orchestra or instrumental music, the computer music new territories also, I thought, opens new ideas and new possibilities. C'est un début très bruité, une espèce d'émergence de brouillard de bruit et de bruit divers, d'où va émerger le son comme vraiment ayant une hauteur. Il y a un son dominant très grave de grosse caisse, qui est avec des roulements ici, et puis s'y joint par moment le tam-tam avec des roulements extrêmement doux, pianissimo, et il y a une accolade qui veut dire qu'en fait tous les cuivres font la même chose, et en fait ils soufflent dans leurs instruments sans les faire sonner, sans les faire vibrer normalement, simplement pour donner justement une impression de bruit avec des légères modifications de... La première fois par exemple de mi-piano à mi-forte, et la deuxième fois ils vont mi-forte à forte, mais ça donne effectivement un son collectif, mais un son bruité qui n'a pas une hauteur déterminée. À un moment donné d'ailleurs ce sera les cordes qui jouent uniquement avec la main gauche, c'est-à-dire elles n'utilisent pas l'archet, et elles jouent d'une manière quasi percussive, et ce qui, compte tenu de tout l'ensemble qui va jouer, qui donne une texture sonore très, très particulière, quoi. À un endroit, le piano doit simplement frotter les notes graves en maintenant la pédale, c'est-à-dire en levant les étouffoirs pour avoir une espèce de halo de résonance. Et plus tard, ici, on est toujours dans cette zone de bruit, c'est les cordes qui vont utiliser l'archet, mais sur la caisse de résonance, donc ça ne fait pas vibrer les cordes, ça crée simplement une espèce de bruit très peu distinct. Ensuite, on garde la même grosse caisse, mais cette fois, il va émerger des hauteurs, et ce qui va faire émerger les hauteurs, ce sera les contrebasses, qui sont toujours dans l'extrême grave, et là, qui vont faire des motifs très simples. À ce moment-là, on dédouble, ici, on dédouble le tempo, c'est-à-dire que c'est 2 fois plus rapide. C'est-à-dire que cette page-là correspond à presque 2 fois moins de temps que la première page, et défile plus rapidement. Et alors, donc, il y a il y a la timbale qui fait écho avec la contrebasse et la grosse caisse jouant ensemble. Alors la timbale a une hauteur déterminée. Par exemple, on entend bien le rapport de triton. Et là, les contrebasses font avec un rythme donc très, très distinct. Et la timbale fait écho aussi avec des glissando. Et de nouveau, les contrebasses... Pardon, je suis ici, etc. Enfin, et alors, ce qui est important, c'est qu'il y a les contrebasses graves pizzicato avec la timbale, avec la grosse caisse. Les contrebasses pizzicato, ça fait donc un pendant, et c'est très proche, et en même temps, c'est distinct de la timbale. C'est une espèce de fausse timbale, puisque la timbale a sa hauteur déterminée. Il y a plusieurs timbales dont chacune est accordée à une certaine hauteur. Et avec les timbales modernes, on peut faire des glissando, ce qui est très utilisé. C'est utilisé ici aussi. Et là, on voit un trait de contre-clarinette basse dans le grave qui est extrêmement indistinct. Donc on est encore dans une zone très brumeuse, mais il y a des rythmes qui apparaissent et des motifs qui apparaissent. Et le violoncelle commence par des notes extrêmement graves, c'est ces notes plus graves que la tessiture normale du violon et qui sont à peine distinctes dans cette espèce de brouillard grave. Et alors à ce moment-là, c'est un départ puisque il va y avoir le violon qui, après avoir fait ses notes graves, joue dans sa tessiture normale et cette fois c'est un trait ascendant qui va être répercuté, enfin où il va y avoir un écho de l'orchestre qui n'est pas encore écrit là, qui va faire une espèce de pilier qui va du grave à l'aigu, et donc ça marque des piliers de véritable début si on veut, où on voit un motif proprement musical émerger d'un fond qui est quand même assez indistinct mais qui est absolument dans le grave. Et tout d'un coup donc il y a évidemment des notes, mais ce qu'il y a aussi d'extrêmement saillant, c'est qu'on sort du grave et ça perce vers les fréquences aiguës, des sons qui arrivent à être très perçants, puisqu'on arrive au sol aigu du violon, ce qui est tout en haut, l'octave supérieure du piano en somme. est une espèce d'addiction, enfin c'est-à-dire je ne peux pas m'en passer et je ne le supporte pas dans certains stades. Il y a des stades que je trouve extrêmement, je dis le mot, angoissants ou vraiment qui me créent une inquiétude et en même temps, et heureusement, enfin la plupart des cas, ça finit plutôt bien, c'est-à-dire que je me résigne à un choix finalement, et donc ensuite à ce moment-là, au contraire, le rapport affectif devient beaucoup plus positif. À ce moment-là, tout ce qu'on sent qui peut aller dans le sens de cette œuvre devient à ce moment-là quelque chose de positif. Mais bon, ça je pense que c'est dans les difficultés des tractation du travail, et la difficulté est liée à une forme d'ambition qu'on a de faire quelque chose qui soit à la fois nouveau mais qui soit justifié, qui soit pas arbitraire, qui ait une forme de nécessité en relation avec le moyen les moyens mis en œuvre pour l'œuvre, mais aussi à votre situation, à sa situation actuelle dans la perspective d'une création, d'une œuvre nouvelle, et puis aussi dans le contexte musical. Il n'y a pas de doute qu'on cherche à faire quelque chose qui soit original, mais qui ne soit pas complètement déconnecté de préoccupations qui sont alentour et qui vous, évidemment, vous marquent vous-même quand on est partie d'une communauté. Alors, quelle communauté? Ça devient beaucoup plus ambigu, puisque ce n'est pas la communauté des auditeurs. On ne cherche pas, au départ, à faire quelque chose qui satisfasse le maximum d'auditeurs, sinon ce serait la dictature d'indice d'écoute où on fait l'étude de marché, et ça existe, la musique commerciale, et après tout elle a sa propre validité, sa raison d'être, mais on ne se tracasse pas pour ça, surtout une œuvre pour orchestre, on ne sait pas combien de fois ça va être joué, mais en général très peu, donc c'est vraiment c'est pas un investissement, j'allais dire, ni financier, ni c'est vraiment un investissement personnel qui n'a pas de véritable justification en dehors d'une forme de nécessité et d'une forme d'ambition de faire un objet nouveau et beau, je dirais, enfin, avec une certaine forme de beauté dans justement cette espèce d'adéquation du projet avec un ensemble de ressources, quoi, ici. J'ai abouti à un concerto pour violon, je pense que ça marche comme ça, et c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais en fait, je pense que le poids des contraintes que je m'imposais, bien sûr, était plus fort, et donc je pense que c'est un concerto pour violon, et je dois dire qu'il me semble, et ça je n'étais pas sûr de ça du tout avant de le terminer et de l'entendre, il me semble qu'en ce sens-là, c'est assez réussi, mais évidemment, c'est toujours la prochaine œuvre qu'on espère devoir être la plus saillante, la meilleure. Did you get started doing such low sounds on the violin? When I was a student, I would practice my technique on the bow, on the E string. My old teacher named Armand Westbord, who was a student of Eugène Ysaÿe in Brussels, he taught me a very weird technique to improve on the tone production. And that is to say, excuse me, but it's going to sound a little like this, scratchy. You have a big orchestra concerto where you have to play a large sound, big sound, but it's not coming out right. Then you go like this, just a tiny bit more pressure, and the slow bowing, like sans filet exercise. You know, the very slow bow. That's a typical violin exercise, but with a little more pressure, so you go like this, and try to listen to the pitch one octave below that pitch. So just excuse me for a second. You can hear a little bit among the scratches. Sure. So after, I'm not going to do the whole bow because it's going to be really noisy, but you do that for the whole stroke, then it comes out better. Like that. So that was the exercise I was doing for ages, and since I was small. And one day in New York City, I was practicing Ravel Tsigane on the G string, and it was winter and it was cold, very cold in New York. I didn't have a boyfriend, I didn't have a life, so I just stayed in the apartment and just going like that. And then I thought, okay, it's not really coming out right, so I should do the same thing as I was doing up there. This same thing over here. So I started to do like that. Right now I'm just too good. I get this, the pitch right away, but back then I heard a little bit of that low pitch. So I went like that. And then oh, it comes out louder and better. So I was doing all the pitches like that. So I was in all over here like this. So I was doing all that on my string, and then a thought occurred to me. That's a pitch that I never heard, that low sound. So if I can get rid of all the scratchy noise, then manage to sustain that low note, don't I have a new pitch on the violin. Mm-hmm. So that's how I started to, and then eventually I think it took about a week and a half of just doing this, you know, cold Manhattan nights, and eventually then I got it. So when I first met you, and I was very struck by this new possibility that you developed, and I used it sparsely in the piece Variant, which was for you interacting with the computer reflection of your playing. But when I thought of the concerto, I thought definitely I should include this so that it would extend the range, but also somehow it would appear beyond the range, and at time it would be sustained by the cello of the orchestra. But perhaps can you play the very first occurrence of these low tones in the concerto? So my part starts with a pizzicato. Yes. That. Mm-hmm. That's pretty high stress, you know, because I have to be going like this, and then from the pizzicato I have to hit that note. So lock in a new mode. Lock in the new mode, so I had to prepare myself for that note. So it's pretty difficult what you wrote. And Mari, you composed the cadenza using some elements of the concerto, but your own technique there is really very powerful for these low tones, but also for the other effects that you have in the cadenza. Well, first of all, cadenza is traditionally for the violinist to show off what you can do, but at the same time, you want to be in the context of the spirit of the music. So that's the two things that I had in mind. How can I be in context with your music? At the same time, I can show what can be done and continue the first movement and into the next. So I was more concerned with the flow or the feeling. Not note by note really, but the feeling of that. In your cadenza you also demonstrate a glissando that's not my writing, that's your skill. How do you, could you say a word about this glissando, huge glissando? Yes, I call it uninterrupted glissandi, and it's in fact in order of you as the person who is responsible of developing the unending Shepherd tone of the the face, you know, and then in glissandi. So I thought that I should pay an homage to the psychoacoustic research that you have done. So I thought, how can I make a very long glissandi that cannot be done? So I thought, okay, I have that impossible pitches from to. Can I just glissandi that? So I thought, okay. And then I would continue all the way up 6 octaves for somehow try not to make an interruption. So you will hear that in a cadenza.